Takapuna. Vous voyez l'immeuble là-bas. L'île d'Auckland, on est au-delà de l'île d'Auckland. Hein. On est vraiment comme au Québec, avec les différentes îles autour de Montréal. Mais ici, c'est un peu pareil. C'est plusieurs îlots. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, vous êtes embarqués, hein. On est ensemble. Alors hier, j'ai pu retrouver un ami de longue date. Brian Lebeau, et il est en train de construire des maisons fantastiques, magnifiques. Alors, je voulais vous faire profiter un petit peu de quelques images. Des images qui ont été filmées avec un drone. Regardez cette maison où il a pensé à faire aussi bien dans la haute technologie que dans l'éco-énergie, ce qu'il va utiliser. Un système pour pouvoir alimenter en eau son système d'arrosage à partir d'une petite mare, un canard, parce qu'il a un canard, c'est quand même. Écoutez, c'est vraiment un endroit magnifique avec des petits jardins, des plantes un peu partout. Alors regardez le même, hein, vous allez voir, c'est juste splendide. C'est cet ami Brian qui a un chien qui ressemble énormément à mon chien Suki. C'est vraiment incroyable la ressemblance, mais aussi le caractère. Le sale petit tronc. Oui, mais je vous le dis. Donc, si vous lisez hein, les noms sur les panneaux, vous vous rendez compte que même si ici c'est anglophone, énormément de noms restent encore attachés à la culture maori. Cette culture polynésienne. Ah, c'est bien devant nous, vous voyez exactement le bus dans lequel nous sommes. Ça me donne une petite idée. Sur une île où il y a seulement des bus et j'ai de la chance, hein, les personnes qui étaient assises juste devant viennent de se lever. Ce qui veut dire que nous sommes en première loge pour filmer notre balade. Alors là, il est 9h du matin et il reste encore quelques résidus du trafic qui se dirige vers Auckland. Comme vous le voyez, les bus ne sont pas du tout touchés par cela, ce qui permet de respecter pleinement les horaires et c'est vraiment réglé comme du papier à musique. Ça fait partie aussi de ces forces hein, qu'on retrouve lorsque on veut accueillir des touristes dans un pays. Tout ça, ne sont pas des détails en fait. C'est ce qui fait, c'est ce qui donne envie aux touristes qu'on va venir dans un pays. Lorsque tout est bien structuré, lorsque tout est bien fait. Thank you.
alors ça y est, nous sommes arrivés à Browns Bay. C'est ici que je vais me faire couper les cheveux. Parce que c'est ici que je me suis fait couper les cheveux il y a 4 ans et j'avais bien aimé ça. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, Browns Bay, on descend. A tout de suite. Avec des belles mèches vertes, regardez ça. Oh, que beautiful, thank you. Ah, bon, très heureux d'être avec vous ici à Browns Bay. C'est un petit village, hein, pour les touristes. Nous allons suivre nos guides, Claude et Edwige. Allez, on va aller au bord de la mer. Après ce que me dit Claude, il est interdit d'aller sur le Moutou, qui est en face là-bas. Le Moutou Langui Toto est interdit d'accès pour les touristes. Il va vous en demander de respecter cet endroit qui est certainement un endroit sacré. Et ici, les gens s'amusent, on amène son chien. Les oiseaux chantent. Vous avez compris, on est quand même bien ici. On ne va pas se plaindre. Ça sent bon, ça sent la plage. L'iode, ouais. Je vais me charger de soleil ici, je vous le dis. Oh, encore un cousin de Suki ici. Hello. I have the same dog in Canada. My dog is look like him.
Il est fini tantôt. Allô, petit loulou, comment ça va, mon petit loulou? Ben oui, tiens, regarde. Hop, hop. Ben oui, mon petit loulou. Oh, encore, encore, encore. Hop. Un poco en 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 un poco
Salut les petits loups. Bon ben voilà, un petit café rapide, hein, mais qui va changer un petit peu, parce que là je suis à Browns Bay, en Nouvelle-Zélande. Comme je vous l'ai dit, l'accès internet marche beaucoup mieux ici. Donc j'avais envie de vous envoyer un petit message avec un café où je vous raconte un petit peu mes dernières aventures. Donc je suis arrivé à Auckland depuis 3 jours, rencontrer des personnes fantastiques, retrouver des amis, car j'ai des amis aussi à Auckland. Un voyage fantastique offert, hein, par mes beaux-parents. Et donc je peux vous dire qu'ils n'ont vraiment pas fait les choses à moitié. Donc c'est que du bonheur. Du coup j'ai eu un peu plus le temps d'aller sur Facebook pour aller lire quelques-uns de vos messages, mais également lire vos messages sur mes vidéos de la page YouTube. Merci, merci beaucoup. Vous êtes toujours, toujours là à me suivre et à me remercier aussi, parce que voilà, vous avez compris que c'est du travail. Et je passe des moments assez exceptionnels, parce que ça faisait déjà plus de 4 ans que je n'étais pas revenu ici. Et revenir sur des endroits comme ça, c'est certain que ça me donne un peu de mélancolie, hein, parce que j'aimerais bien être avec ma petite Sandrine, j'aimerais bien avoir Jackson sur l'épaule. Imaginez Jackson ici avec moi, comme dans le parc des Moulins. Elle prendrait un plaisir incroyable, ça c'est certain. Donc derrière moi, la plage de Browns Bay. Donc je fais un coucou à Jackson tous les jours depuis mon départ. Et il semblerait que le piquage a repris de plus belle. Il y a même eu un épisode de plume de sang, oui. Mais Indiana et Sandrine se sont très très bien sorties de cet épisode. Donc voilà, pour vous donner des nouvelles de notre star, notre princesse, tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. Je peux vous garantir que je ne la laisse pas sans nouvelles, car elle en a besoin, cette petite fille. Ce week-end, je vais aller faire un tour en ferry sur un îlot. Et certainement la semaine prochaine, normalement le 19, j'irai faire un tour au zoo, comme je vous l'ai promis, pour aller voir le cacapou, ce perroquet qui ne vole pas. Donc ça sera la semaine prochaine. Il faut savoir qu'aujourd'hui ici, nous sommes déjà le 14 février. Alors ça dépend à quelle heure vous allez pouvoir regarder ce petit café, mais ici c'est déjà la Saint-Valentin. Oui, 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 c'est déjà la Saint-Valentin. Donc, je souhaite à tous les amoureux et amoureuses une très joyeuse Saint-Valentin. Oh, j'ai l'impression d'entendre les cigales. Je sais qu'il y a des cigales en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'il y en a en Nouvelle-Zélande? Ça, je ne sais pas. Donc un tout petit coucou pour vous dire que je pense à vous encore et encore. Je sais, je vous l'ai déjà dit. Et ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous comme ça et de pouvoir partager ces petits moments de bonheur. Ah, regardez, je suis à l'ombre d'un arbre. Je ne connais pas. Ouais, ouais, ouais. Vous avez vu cet arbre? Hop! Attention! Oh, c'est une baisse! Oh, c'est une baisse! Ouais! Oh, c'est fantastique ici! On est à l'ombre. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai mis des couleurs discrètes pour éviter qu'on me perde. Comme d'habitude. Alors voilà, je vous propose un petit 360, on fait un 360 pour que vous voyez à peu près où je suis. Regardez ça. Voilà. C'est juste magnifique. Donc je vous envoie plein de bisous magiques depuis la Nouvelle-Zélande. Merci encore de votre fidélité, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air.
c'est ce petit voyage loupé. Alors oui, j'ai bien remarqué que les vidéos du voyage dépassent difficilement les 500 vues, hein, puisque vous êtes plus nombreux, les plus nombreux vous êtes attirés par mes conseils pour vos perroquets. Mais je sais aussi que vous êtes quand même très heureux en lisant vos commentaires de pouvoir faire ce petit voyage avec moi. Donc j'ai décidé de continuer à vous emmener. Voilà. Waouh, il fait un temps splendide, je vous le dis là. Il fait un temps splendide. C'est super ici. Je n'ai pas idée. La température est vraiment idéale. Hein, c'est vrai qu'à Tahiti, on souffre vraiment de la chaleur. Alors qu'ici, c'est juste que du bonheur. Je vous fais de gros bisous donc. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu, histoire d'emmener d'autres personnes ici à Browns Bay en Nouvelle-Zélande. Et puis, partagez, mettez les pouces en l'air. N'oubliez pas, hein, faites un petit tour sur la page Tipeee pour envoyer un petit don. Parce qu'hier, j'ai dû réparer mon ordinateur avant de pouvoir faire la vidéo parce que j'ai eu un problème avec tous mes ports USB. Il a fallu acheter deux fois. Donc voilà, un voyage comme ça avec vous, c'est toujours quelques petites dépenses. Et vos dons seront les bienvenus. Allez, bisous, bye bye, à très bientôt.